surtout physiquement que c'était dur parce qu'il y a beaucoup de dénivelé et des pentes vraiment, vraiment raides, quoi. Et du coup, là, c'était là que c'était dur. Aujourd'hui, le club Course d'Orientation Cœur de Savoie organise le championnat de ligue Auvergne-Rhône-Alpes de course d'orientation. Il s'agit d'une épreuve moyenne distance. Les concurrents vont courir environ 35 à 45 minutes pour trouver des balises dans la forêt grâce à leur carte. On accueille aujourd'hui 350 coureurs et la course d'aujourd'hui est une manche de sert de qualification pour les championnats de France. Il y avait 15 balises à trouver, ouais, pour 4,5 km à vol d'oiseau et 350 mètres de dénivelé. Ça se passe bien, je suis à la balise 2 et je vais bientôt je vais prendre le chemin comme ça pour contourner la montagne et ensuite je vais aller à la balise 3 en attaquant du coup du chemin pour aller au rocher, au poste. Les 350 coureurs viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et au niveau des catégories d'âge, on a les plus petits qui ont 7-8 ans et on a des catégories qui vont jusqu'à 70 ans et plus. Très très bien, on a fait le parcours loisir, on va dire, jalonné avec la petite. Et c'est super, c'est en pleine nature, c'est un coin très très agréable. Voilà. Donc c'est très bien d'avoir prévu des parcours comme ça pour les débutants, ça donne envie d'en faire, quoi. Donc belle expérience. Pour la course d'orientation, au moment du départ, on remet aux concurrents une carte. Et sur leur carte, ils ont des ronds qui symbolisent les balises qu'ils doivent trouver dans un ordre imposé, à l'aide d'une boussole, GPS interdit, et le plus vite possible. Bon, il faut savoir lire une carte, donc on a des symboles spécifiques, ça s'apprend, quoi. Et du coup, il faut lire la carte, il faut savoir se repérer un peu dans l'espace, pouvoir détecter qu'est-ce qui est quoi sur la carte, qu'est-ce qui est quoi sur le terrain, les sommets, les chemins, la végétation. Et puis après, bah, évidemment, il faut courir le plus vite possible entre les balises en choisissant l'itinéraire le plus rapide. Donc c'est allié à la fois le côté technique, mental, la lecture de cartes, et le côté physique, puisque bah, il faut avoir une belle condition physique quand même. Très bien, c'est une forêt qui est agréable à courir, il n'y avait pas trop de ronces. Et puis le paysage, des fois, en sortant de certains chemins, là, on voyait toutes les montagnes enneigées, c'était super. C'est super pro, super belle orga parce que ouais, ils ont vraiment fait ça bien. Ils ont fait une carte d'échauffement pour qu'on aille un peu voir comment est le terrain avant. Et puis c'est sympa, il y a la musique, il y a la buvette. C'est vraiment sympa pour reprendre. En plus, il fait beau.